Alors la recherche dans les HES doit se concevoir, c'est la loi qui le dit, comme étant applicable immédiatement, réinjectée dans la réalité institutionnelle, respectivement dans la réalité pédagogique. C'est une sorte de passage, de séparation des eaux entre la recherche académique au sens universitaire du terme et la recherche qui s'applique à des professionnels, avec des professeurs qui sont des praticiens, qui sont des artistes en activité et qui réfléchissent à leur pratique de manière à pouvoir, le cas échéant, les modifier, créer quelque chose de nouveau qui soit immédiatement de l'ordre de l'artistique, du perceptuel, de manière aussi à éviter les confusions avec de terrain, de territoire, avec les instituts de musicologie universitaire. Lorsqu'il y a 10 ans, le Conservatoire de musique de Genève est entré dans la HESSO, les activités de recherche sont devenues assez importantes. Et au départ, nous nous sommes tournés vers les départements de la maison qui avaient une certaine expérience dans le domaine, en particulier le département composition et théorie et le département musique ancienne. Dans un second temps, nous avons élargi le nombre de professeurs impliqués dans les projets en nous tournant vers d'autres départements de la maison. Et dans les dernières années, en particulier, les questions qui tournent autour de l'altérité et du rapport aux autres musique non occidentale est devenu particulièrement important. L'intérêt pour moi de faire de la recherche à la HEM et pas dans une université, c'est justement d'être avec des gens qui ne se destinent pas à être des chercheurs. Du côté académique, on rentre dans un système de la recherche et on apprend ça comme thème principal et on développe des outils vis-à-vis de ça. Les musiciens, ce n'est pas leur objectif premier, même si certains, parce qu'ils sont éveillés à ça, vont s'y mettre et vont réellement devenir des chercheurs en ethnomusicologie ou en musicologie ou en histoire de la musique, en psychologie. On va éveiller finalement à l'attrait de la science universitaire. Les rapports de l'université, et en particulier de l'unité de musicologie de l'Université de Genève avec la HEM de Genève, sont particuliers en Suisse. Ça n'existe pas que les deux institutions, de telles institutions, collaborent. Ici, on a une filière commune, c'est musique et musicologie. Et là, les étudiants s'inscrivent à l'HEM, mais ils étudient comme deuxième matière la musicologie. C'est unique en Suisse, ça n'existe pas ailleurs. Et en ce moment, on cherche à développer ce modèle de collaboration étroite avec une nouvelle filière sur ces filières ethnomusicologie. Dans les prochaines années, la recherche à la Haute École de musique de Genève aura plusieurs défis à relever. Le premier consiste à étendre à un toujours plus grand nombre de professeurs la possibilité de conduire des projets de recherche. Le deuxième concerne les liens, les rapports avec l'université, en particulier dans la perspective de permettre à des étudiants de pouvoir prolonger leurs études au niveau d'un troisième cycle. Les recherches effectuées à la HEM sont beaucoup plus étroitement liées à la pratique musicale. La musicologie, pour longtemps, est restée une philologie, c'est-à-dire elle travaillait sur les textes, sur les faits musicaux notés, et pas sur l'interprétation ou toutes les questions de pratique musicale. Alors pour moi, comme musicologue qui s'intéresse beaucoup pour toutes les questions liées à l'exécution, à l'interprétation de musique, à l'objet musical comme objet sonore, pour un tel musicologue, c'est bien clair, très intéressant de voir ce qui se passe au niveau de la recherche à la HEM. Le monde universitaire suisse est composé d'universités, écoles polytechniques et HES.
Cette répartition entre recherche de pointe et recherche appliquée peut paraître un peu artificielle, mais elle a toute sa valeur si on considère cette chaîne de compétences comme une chaîne de valeur entre la recherche fondamentale qui est menée dans les universités et les EPF et la recherche appliquée qui est menée dans les HES. Donc nous avons un nombre de partenariats très importants avec les universités et les EPF parce que nous sommes appelés à travailler dans les projets sur l'implémentation d'un certain nombre de résultats, qu'ils soient de type technique ou de type socioculturel. Et nous sommes appelés par ça par nos collègues universitaires qui souhaitent vraiment implémenter ça dans la société civile et économique. La recherche appliquée, elle est très importante dans les écoles professionnelles comme la HSSO parce que notre objectif est de former des jeunes qui, après le bachelor, soient immédiatement employables dans le marché du travail. Donc, ils doivent être exposés aux problématiques les plus actuelles de notre société et de notre économie. Et ce lien recherche et formation, c'est la seule manière pour que les enseignants puissent faire apprivoiser la matière de plus grande actualité à nos étudiants. La place de la recherche est inscrite profondément dans les cursus. D'une part, par une initiation à la recherche dans différents cours, d'autre part, par le fait que les étudiants, en fin de parcours, sont amenés à produire une réflexion, une verbalisation sur leur production artistique. Une autre conséquence de la recherche dans l'enseignement, c'est que les étudiants qui sont les plus innovants dans leur pratique sont ceux qui sont les mieux amenés à avoir une vraie insertion professionnelle dans le marché du travail, dans le marché de l'art. La Haute École de Musique de Genève a la particularité d'inscrire dans le cursus de formation des étudiants de bachelor un séminaire d'initiation à la recherche. L'objectif de ce séminaire d'initiation à la recherche, c'est de former ce qu'on appelle un praticien réflexif. Cela signifie que je forme les étudiants à la maîtrise des outils bibliographiques, mais aussi je les accompagne dans la formulation d'un objet de recherche original qu'ils vont développer durant un semestre au cours de la deuxième année pour s'initier une première fois à la recherche en art. Dans le cadre de l'Haute École de Musique, moi, j'ai découvert la recherche appliquée à mon instrument en suivant un cours. Et mon année, le titre de ce séminaire était l'analyse des traités des méthodes. Et donc, pour l'examen final, on devait analyser des traités des méthodes de notre instrument. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait de la matière qui n'avait jamais été explorée. Même à haut niveau, il n'y a pas de publication qui traitait de ça. Dans mes activités professionnelles, cette recherche m'est utile d'un point de vue pratique pour comprendre quel instrument utiliser, pour quel répertoire. Donc la recherche m'a même amené à acheter des instruments que je n'avais pas. Et puis de l'autre côté, l'activité de recherche à l'intérieur de l'HM a eu une conséquence pratique très importante pour moi parce que j'étais invité à tenir des cours d'introduction aux instruments historiques pour contrebassiste moderne. Dès la mise en œuvre, disons, des cursus les plus récents, des cursus de Bologne à la Haute École, nous avons eu ce souci d'amener cette notion de recherche et de l'inscrire au cœur du cursus. D'autre part, nous travaillons sur notre relation avec les autres cultures musicales, en particulier avec des cultures musicales très importantes et très développées, telles que celles que l'on peut trouver en Inde ou en Chine. De mon impression, d'après d'avoir 3 ans, 4 ans d'expérience en tant qu'une assistante,
Et je sentis que la différence sera en Chine dans le côté interprétation instrumentale. Il y a peu de recherches qui sont développées dans ce domaine-là. Et à côté de Genève, il y a beaucoup, c'est-à-dire sur interprétation en tant qu'une artiste. Qu'est-ce qu'on on se réfléchit, on se comprend sur la musique, sur la musicalité, sur le langage musical. Le projet qu'on avait mis en œuvre, c'est le rapport la tradition entre la Chine et la Suisse. Et donc on avait de choisir le département de musique ancienne de la Suisse, de Genève en fait. Et aussi de côté de Conservatoire de Shanghai, le département de musique traditionnelle. Donc ces deux départements qui se rencontraient dans la manière qu'ils se retrouvaient dans leur l'histoire semblable et qu'ils se retrouvent aussi la manière de technique, de aussi sur la manière d'improvisation sur beaucoup de différents thèmes qui se retrouvent la même famille en fait. Dès par sa nature, la recherche appliquée, elle est portée à générer des partenariats avec le monde économique et la société, le tissu social et artistique. À l'HSSO, je crois qu'on signe plus que de 1000 partenariats par année de ce type qui sont l'expression de notre ancrage dans le tissu économique local et aussi dans le tissu social et culturel. Au fond, quand on a lancer le Wagner Geneva Festival, il nous semblait que l'occasion était rêvée d'avoir en tous les cas une partie des projets qui auraient un ancrage pédagogique fort. Et il y avait le projet de la Haute École autour des maîtres chanteurs de Nuremberg présentés tels qu'ils avaient été créés à Paris à la fin du 19e siècle. Et cette possibilité, elle était quasiment unique, je ne suis pas sûr, dans ma vie de programmateur, de pouvoir un jour la retrouver, car le travail qui a nécessité cette ambition de faire entendre Wagner tel que les Français l'entendaient à Paris, au Palais Garnier en 1897, c'est un travail de chercheurs, de professeurs et d'étudiants de plusieurs mois, d'années. Il n'y avait qu'une association avec une institution académique comme la Haute École de Musique qui pouvait nous permettre de saisir cette chance et de présenter cette recherche au plus large public possible. On a joué à guichet fermé, à notre grand étonnement et à notre déception, nous aurions dû programmer une ou deux représentations de plus en fait. Notre projet consiste à essayer de comprendre quelles sont les bases perceptives de la pratique en orchestration. Donc dans notre projet, on a besoin d'une collaboration à plusieurs partenaires, notamment avec l'IRCAM qui s'occupe de l'orchestration assistée par ordinateur, donc les aspects informatiques, et également avec la Haute École de Musique de Genève, qui s'occupe de partie d'enregistrement des différentes réalisations par ces choses-là. À McGill, on travaille surtout sur la psychoacoustique. Donc, on fait des tests perceptifs, mais on a aussi un grand volet sur l'analyse de partitions et de traités. Donc, on essaie à ces trois institutions de créer un partenariat à long terme. Et ce partenariat, on cherche des fonds au Canada, en Suisse et en France pour alimenter surtout les échanges d'étudiants entre ces différentes institutions, qui permettent surtout aux étudiants de voir la culture scientifique et musicale qui diffère entre les différents pays. Je pense que l'enjeu maintenant qu'on est en matière de recherche dans nos institutions, c'est de ne pas créer une caste de petite caste de chercheurs excellents, brillants,
qui sont rodés, qui savent trouver de l'argent, qui savent développer des sujets, mais qui puissent effectivement faire en quelque sorte une tache d'huile auprès de leurs collègues, auprès de leurs étudiants, de manière effectivement que ça soit conçu comme quelque chose de consubstantiel au reste de leurs activités, les activités d'enseignement, les activités de prestations publiques, par exemple, et de manière à ce que ça donne une légitimité supplémentaire, parce que je pense encore le terme de recherche artistique est un terme qui n'est pas encore complètement stabilisé, et la meilleure manière de le stabiliser, c'est de le généraliser et de faire tout ce qu'on peut sur le plan des structures, sur le plan des statuts du corps enseignant, sur le plan des cursus, de manière à avoir des mesures incitatives qui montrent à chacun que c'est une bonne chose de faire de la recherche et que ça peut s'accompagner de multiples avantages.